Moi, je suis ravie, je voudrais vraiment vous remercier, hein, monsieur Waro, de m'avoir permis de retrouver mes souvenirs d'enfance, en fait. Même si je n'ai jamais fait de récolte de raisins, j'ai déjà ramassé le piment, les tomates, parce que je suis petite fille d'agriculteur. Donc, vraiment, merci pour cette journée, où vraiment empreinte de convivialité et qui me persuade aujourd'hui, vu les différents échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, que nous avons un produit du terroir qu'il nous faut encore continuer à valoriser et que j'encourage fortement. C'est très bien passé. On a commencé ce matin vers 7h du matin. On a été à peu près une soixantaine. On a terminé vers 12h30. On a fait un repas. On a transporté le raisin au Chetsilaos, dont je remercie. Et Nathalie Lachia qui est venue sur mon exploitation ramasser du raisin. C'était une super journée pour nous et a fait de bonnes connaissances. Alors pour continuer sur la même lancée, ici au Chetsilaos, donc on a récolté le raisin donc de chez Jean-Michel ce matin. Donc il est en train d'être mis au pressage et transformé. Donc on en fera un vin donc de table ou de pays d'ici quelques mois. Et le rôle du chef, c'est de pouvoir rassembler donc sous forme d'outils donc aux normes, avec le savoir-faire qu'on a ici, donc de rassembler en fait la production de raisins, notamment celle donc de Jean-Michel et d'autres viticulteurs au chef, pour pouvoir en faire un vin de qualité qui sortira d'ici une dizaine de mois sur le marché.